Non mais c'est totalement dingue. Enfin, c'est pas les méchants policiers qui ont provoqué les gentils migrants. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut regarder la situation explosive de l'immigration anarchique. La façon dont la police doit intervenir pour supprimer effectivement les points de fixation. Et ce protocole a été négocié. Attendez, que monsieur Odoul finisse, monsieur. S'il vous plaît, je voulais. Ce protocole, attendez, monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de gentil et de méchant. Vous écoutez bien gentiment. Monsieur Maire. Voilà, le seul protocole pour ces migrants, c'est l'expulsion. Excusez-moi. Quand on s'attaque à nos forces de l'ordre, excusez-moi, on n'a rien à faire en France. Et on doit être expulsé et renvoyé dans son pays. Et moi, j'aimerais que le gouvernement. De quelle attaque vous parlez, que monsieur Odoul finisse, monsieur. Excusez-moi, j'aimerais que le gouvernement ait la même brutalité verbale à l'endroit de ces migrants qui ont agressé nos forces de l'ordre qu'à l'endroit des Français non vaccinés. Voilà. Parce que ces gens-là, encore une fois, n'ont rien à faire chez nous. Et ce que je constate, c'est qu'il y a aussi une impuissance publique, parce qu'on parlait tout simplement des raisons de la désaffection démocratique, pourquoi les Français n'y croient plus aussi, parce que ça fait des années que cette situation empire, que les Calaisiens n'en peuvent plus, que les Français en ont assez, en ont ras-le-bol de l'immigration, et que vous, bah, vous baillez aux corneilles, et que finalement, bah, c'est comme ça, il ne faut rien faire, il y a un protocole. Voilà. Avec Marine Le Pen, le protocole, il est très clair, c'est dehors. Et pour partir chez vous. Alors.